Le mouvement le plus iconique du jeu vidéo. Tu vois un ennemi, tu veux lui sauter dessus pour le tuer. Bon, dans la vraie vie, ça a aucun sens. Hein. Cette idée saugrenue, elle vient du tout premier Mario, quand Miyamoto s'est demandé « Si un tonneau fonce sur toi, qu'est-ce que tu fais ?» Le concept était né. En 85, le plombier démocratise les codes d'un nouveau genre, le platformer. Depuis ce jour, les jeux n'ont jamais cessé d'inventer de nouvelles façons de sauter, de nous offrir plus de liberté, c'est son ADN. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de finir un Mario sans sauter? Et est-ce que c'est même possible? Au départ, c'est juste une idée bête. Un défi pour les gens qui veulent continuer de s'amuser sur Super Mario 64, né d'une simple question. Et si on récupérait les étoiles sans jamais appuyer sur le bouton A? Et ça va avoir pas mal de succès, pas mal de gens se prennent au jeu. Après tout, même sans le bouton A, on peut quand même faire plein de trucs, plonger, s'agripper au mur, attraper des objets. Se lance alors une gigantesque quête qui va mobiliser pendant presque 25 ans des centaines de personnes pour concevoir la run parfaite. Vont-ils seulement réussir ? Haut à 30 degrés, buffé à volonté, sur la mer des rêves de Pénaconie, bercé par la voix d'un ange, je prends soin de moi. Je profite de ma croisière, mais n'oubliez pas. Derrière les songes, les mensonges. Il est temps de se réveiller, joueur. En coulisses, la famille et le CPI s'activent, une bombe va exploser. Pour déjouer ces complots, jouez à Honkai Star Rail, 100 millions de téléchargements, meilleur titre mobile de 2023. On ne présente plus le RPG de Space Fantasy des créateurs de Genshin Impact. Gratuit et disponible en cross-plateforme. Il a tout d'un jeu AAA avec ses cinématiques doublées, son lore riche et sa grande galerie de personnages. Plus de 40 à collectionner avec leur kit unique. Pour la 2.3, le très populaire Argenti est de retour. L'Apollon à la rose délivre des offensives dévastatrices en zone. Mais on connaît notre public, celle qui vous intéresse, c'est Jade, l'usière au cœur de pierre qui vient collecter les dettes à grands coups de talon. Des pièces quantiques, elle accorde vitesse et dégâts bonus à ses alliés avant d'écraser ses ennemis avec ses attaques de suivi. Invoquez-les pour venir à bout des nouveaux contenus de la mise à jour 2.3. L'univers divergent qui propose des sets d'équipements inédits et les fantômes de l'apocalypse, un challenge corsé pour les vétérans. Pour l'occasion, on vous offre 50 Jade stellaires avec le code à l'écran. C'est valable jusqu'au 30 juillet, alors ne tardez pas et téléchargez dès maintenant Honkai Star Rail. Le lien est en description. Bah ça commence mal, hein. Les résultats sont très limités. Genre, dès le premier niveau, on a besoin d'atteindre cette île en hauteur. Le mieux qu'on ait trouvé, c'est de se laisser tomber d'un pont, faire une attaque rodéo pour activer ce bloc et récupérer la casquette ailée. Mais il faut quand même prendre le canon, et donc appuyer sur A. Les plus vieux records, on les retrouve grâce à une relique, le site Curtis Bright. Encore en ligne aujourd'hui, qui répertorie tous les secrets de Super Mario 64, et certaines catégories de speedrun. A l'époque, il y a aussi un TAS qui réussit à récupérer 20 étoiles, mais les astuces sont pas réalisables par un humain, et ils finissent même pas le jeu. Non, si on veut changer l'histoire, il faut plus. Un humain capable de se plonger dans les méandres du code de Mario 64, quelqu'un qui lui a voué sa vie. Panen Koek 2012. Ce challenge, ça devient sa passion, il va découvrir une des plus importantes révolutions du monde de Mario 64. Lorsque Mario attrape quelque chose, ce n'est pas l'objet lui-même qui est porté, mais une copie. L'original, lui, reste à sa place initiale, il est juste invisible et intangible. C'est en le lançant que le jeu remplace la copie par l'original, on appelle ça le cloning. Alors, il y a quelques subtilités, parfois l'objet initial suit Mario au lieu de rester sur place, c'est le cas avec les bobombes, donc si vous les attrapez au moment où elles explosent, leur taille est doublée et Mario se fait pousser par la bombe invisible. Le truc qui casse le jeu, c'est quand on comprend comment sont stockées ces informations. Jusqu'à 240 objets peuvent être chargés simultanément et chacun possède sa valeur unique, comme si c'était un grand sac où chacun avait sa poche. Quand on attrape un objet, la copie se fait attribuer la valeur qui correspond à la place de l'original dans le sac. Comme ça, quand faut le remplacer, on cherche juste dans la mémoire la bonne valeur et le tour est joué. Est-ce que vous sentez venir la douille? En attrapant quelque chose au moment où il despawn ou en traversant une zone de chargement, on peut se retrouver avec un objet dans les mains dont la valeur correspond à une poche vide. A partir de là, tous les coups sont permis. Parce que si le jeu charge une nouvelle entité dans cette poche vide, c'est cet objet-là que vous allez lancer. Et il n'y a pas de limite, hein, ça va des poteaux à escalader jusqu'aux étoiles elles-mêmes. En soi, c'est déjà pratique, mais ça va plus loin. Si l'objet que vous jetez ne peut pas normalement être porté par Mario, il va rentrer dans un état bizarre, semi-buggé. Par exemple, un Goomba va rester bloqué sur place, incapable de bouger. Vous pouvez interagir avec lui, mais seulement une fois. À partir du moment où vous le touchez, il devient intangible. Pour traverser le fossé de Bobomb Battlefield, Panen Koek va créer un pont de Goomba buggé en se jetant à la chaîne dans le vide et en rebondissant sur le précédent. Au total, il a besoin de 7 Goombas, car dès qu'il saute sur un, il ne peut plus interagir avec, donc il doit reconstruire son pont à chaque fois. Sachant que tout ça, il le combine avec une autre technique, le fait de porter deux casquettes ailées en même temps. Ça lui permet de déplacer le point de spawn des objets. En gros, au lieu d'être lancés depuis Mario, ils sont lancés depuis une nouvelle position. Par contre, si on les pose au sol, le jeu les fait apparaître entre Mario et le point de spawn. Techniquement, avec un bon setup, on est capable de mettre des objets là où ça nous arrange. D'autant plus que, et là on entre dans le ridicule complet, ce fameux point de spawn, il conserve sa position entre les niveaux. En jetant un ennemi dans trop haute montagne, juste à l'endroit où se trouve l'étoile dans Il Grand Petit, il fait apparaître un Goomba dans le sol qui lui permet de rebondir. Panen
& Quake intègre aussi l'utilisation du frame walking, le fait d'alterner la position du joystick entre neutre et avant quand Mario grimpe une pente, pour lui faire gagner continuellement de la vitesse et l'empêcher de retomber. Il trouve de meilleurs endroits où faire des attaques rodéo pour gagner de la hauteur, que maintenir le bouton A appuyé pendant plusieurs niveaux, ça lui permet de nager ou donner des coups de pied sans augmenter le compteur, jusqu'à ce qu'il relâche. Avec ses tricks et de nombreuses petites optimisations, en l'espace de 2 mois, Pan & Quake amène le total de boutons pour finir le jeu à 116. Pour lui, l'aventure s'arrête là. Faut comprendre que c'est une sorte de scientifique de Mario 64. Sur ses chaînes, on retrouve une quantité astronomique de vidéos où il expérimente avec différents challenges du jeu, comme essayer de finir un niveau sans utiliser le joystick ou atteindre la limite de 225 pièces dans tous les niveaux. Mais aussi des commentaries de ses essais ou encore des dizaines de vidéos théoriques sur des mécaniques hyper complexes comme la manière dont fonctionnent les hitbox, les textures, la physique ou la mémoire du jeu. Il a sa propre page Wikipédia traduite en 6 langues différentes et même un wiki dédié. S'il y avait un prix Nobel pour les jeux vidéo, il l'aurait sûrement gagné plusieurs fois. Sauf que Pan & Quake fait la plupart de ses vidéos sur émulateur et un niveau à la fois. Et il s'en moque de quel point ces techniques sont compliquées. Par exemple, ses premières tentatives dans le monde trempé-séché, où vous devez monter et baisser le niveau de l'eau, duraient plusieurs heures. Mais peu importe, hein, dans cette catégorie, ce qui compte, c'est pas le temps, seulement de réduire le compteur. Pour espérer qu'un jour un humain puisse réussir une run d'une traite, fallait que le temps soit raisonnable. Heureusement, quelqu'un était prêt à relever ce défi. Tyler Keane. Son objectif était plus pragmatique, il s'en moquait de récupérer les 120 étoiles du jeu, il voulait juste terminer Mario 64 sans appuyer sur A. Après tout, c'est un jeu qui est connu pour pouvoir être terminé avec 0 étoile au compteur, hein, en battant juste les 3 niveaux de Bowser. Évidemment, sans sauter, c'est impossible d'utiliser les mêmes techniques, ici il va falloir viser le minimum 70 étoiles. Et la détermination de Tyler va lui permettre de faire plusieurs grandes découvertes en très peu de temps. D'abord, le Stardance Clip. En gros, quand Mario récupère une étoile, il est légèrement poussé vers le haut, et pendant cette animation, il est capable d'attraper un rebord. La plupart du temps, c'est inutile, parce qu'une étoile nous fait quitter le niveau, sauf l'étoile des 100 pièces qui a en plus la spécificité d'apparaître au-dessus de la dernière pièce collectée. Ça lui permet par exemple d'aller affronter Sirok sans appuyer sur A. Puis une technique qu'il nomme le 207 Dive Recover, en abusant de la hitbox des plateformes mal alignées et de la manière dont le jeu calcule la position de Mario. On peut plonger et toucher un point précis dans l'angle où le mur le repousse vers le haut au lieu de vers l'arrière. Mais ce qui va vraiment faire entrer Tyler dans la légende, c'est ce qui va lui permettre de compléter le dernier niveau du jeu, le Shulkia Drop. La beauté de cette technique, c'est qu'elle repose sur la manipulation des ennemis. Les Shulkias sont ces grosses boule violette qui chasse Mario et tente de le lancer. Bloqué à la dernière marche de cet escalier, il se dit que si l'un d'entre eux pouvait l'attraper et le jeter derrière, son problème serait résolu. Coup de chance, tout au long de la map, il y en a un, et on se trouve à la limite de sa zone de détection. Mais comment le faire descendre? Les Shulkias ont deux phases, tourner en rond pour chercher le joueur ou lui foncer dessus. En faisant des allers-retours devant et derrière l'ennemi, Tyler réussit à l'aligner avec une rampe qui se trouve au-dessus de lui. Normalement, le jeu empêche les Shulkias de tomber, mais c'est pas le cas sur les sols inclinés. Cette technique, encore utilisée aujourd'hui, c'est juste un miracle qu'elle soit possible. Sans ça, le challenge n'existerait pas. Un parfait mélange de génie et de coup de chance, comme on n'en voit que dans ce genre de situation. Le talent et les découvertes de Tyler font que Pan & Quake rentre en contact avec lui pour l'inviter dans l'ABC Crew, un groupe de passionnés et spécialistes de Mario 64 qui mettent en commun leurs connaissances pour enfin terminer ce challenge. A cette époque, il fallait encore faire disparaître 2 utilisations du bouton A pour finir le jeu en Any% et environ 70 pour récupérer les 120 étoiles. Ils ne le savaient pas, mais c'est un âge d'or qui les attendait. C'est d'abord Tyler qui fait une nouvelle avancée en supprimant l'un des 2 derniers boutons A nécessaires pour le Any%. Jusqu'à là, c'était impossible de grimper les derniers escaliers du château qui mènent au dernier niveau. Pas les iconiques qui durent à l'infini, hein, le but c'est d'y entrer avec suffisamment d'étoiles. Non, ceux-là. La plupart des marches peuvent être escaladées avec la technique qu'on a expliquée plus tôt, en touchant des pixels mal alignés qui téléportent Mario. Pour la dernière, il faut faire un saut rodéo bien placé, mais pour la seconde, beaucoup trop haute, on n'avait pas de solution. Encore une fois, ce qui va sauver la situation, c'est un alignement des étoiles. Vous voyez, la manière dont fonctionnent les hitbox des murs dans le jeu font qu'elles ne sont pas toujours perpendiculaires avec ce dernier. Dans certains angles, au contraire, elles s'étendent légèrement. C'est exactement ce qui se passe ici. En alignant Mario très précisément, on peut trigger la hitbox de la marche la plus basse, mais en étant juste devant la marche la plus haute. Quand le jeu vérifie la position de Mario, il se dit « Bah, le joueur est à la bonne hauteur pour s'agripper », et on attrape le mur qui est juste devant nous. Normalement, impossible. Tout ça grâce à une hitbox qui dépasse de quelques pixels. A partir de là, il ne restait plus qu'un seul et unique bouton A sur lequel appuyer, pour sauter de ce poteau dans le second niveau de Bowser. Mais celui-là, pour le résoudre, il faudra attendre encore un peu. En attendant, l'ABC Crew continue ses découvertes, pour le 100%. Plush, par exemple, va trouver comment être projeté par le geyser directement dans l'étoile de la baie des pirates, ou encore comment nager plus vite avec une série d'inputs frame perfect dans certaines conditions. Mais à cette période, c'est à nouveau Pan & Quake qui va marquer le monde du speedrun avec une vidéo qui va faire le tour d'internet. Car dedans, Pan & Quake va trouver un moyen de faire voyager Mario à travers des univers parallèles. Mamma mia!
là. Il explique que la position physique de Mario est différente de celle que le jeu perçoit. Imaginez-vous que la carte d'un monde soit comme un carré. Si jamais Mario sort de la limite de la carte, son modèle est bien parti, mais le jeu se comporte comme s'il y avait un portail qui le renvoyait symétriquement de l'autre côté. C'est un peu bizarre, donc le mieux c'est de penser l'univers comme un quadrillage rempli d'autres mondes fantômes qui n'ont pas d'ennemis, pas d'objets, même pas de textures, mais sur lesquels vous pouvez vous déplacer tant que le jeu considère que cet emplacement correspond à une position possible sur la carte d'origine. Alors, il y a quand même deux problèmes. 1. Faut beaucoup de vitesse pour réussir à se téléporter d'un coup si loin. 2. Faut vraiment beaucoup de vitesse. Parce qu'en fait, à chaque frame, le jeu découpe le mouvement de Mario en 4 et vérifie si chaque quart de son mouvement est à un endroit où il a le droit d'être. Donc, si on veut atteindre un univers parallèle, faut parcourir 4 fois la distance nécessaire, tout en étant capable de calculer l'angle qu'on doit prendre et arriver au bon endroit. Bien sûr, au cas où c'était trop beau, à la fin on doit revenir sur la map de base pour continuer l'aventure. Ça paraît impossible, mais heureusement, Tyler va arriver avec une solution. En se plaçant sur une pente avec un angle particulier, c'est possible de générer beaucoup de vitesse. Normalement, c'est pas exploitable, parce qu'il faut courir le long d'une pente. Donc au bout d'un moment, on arrive au bout, on se cogne contre un mur. Mais si à la place, on court dans un plafond, le jeu ne repousse pas en arrière et nous laisse accumuler de la vitesse. Au bout d'un moment, la vitesse va être tellement importante que Mario va traverser le plafond, alors pour remédier à ça, on se retourne. À ce moment-là, on va tellement vite que quand le jeu calcule la prochaine position, on est out of bounds. Comme il n'y a nulle part où se cogner, on peut charger indéfiniment de la vitesse jusqu'à la valeur qui nous arrange. D'après vous, combien de temps il faut rester dans cette position pour atteindre un univers parallèle? 12 heures, rien que ça. Une fois la vitesse accumulée, c'est un défi de mathématicien qui commence. Car non seulement il faut gérer l'angle dans lequel Mario se dirige, mais aussi sa vitesse. Car si vous êtes sur une pente, la valeur de sa vitesse ne diminue pas, à la place vous avancez seulement d'une fraction de cette valeur. Ce qui veut dire que sans perdre de vitesse, vous pouvez vous désynchroniser avec la grille pour être encore plus précis dans vos mouvements. Si vous pensez que c'est un calvaire, vous avez raison. En plus, on n'a même pas évoqué le fait que c'est techniquement impossible à faire sur une vraie Nintendo 64. Car si la caméra quitte la carte de base, le jeu crash. Mais Panenkoek va le faire. Il va trouver comment y arriver et tout résumer dans une splendide vidéo hyper bien documentée. La vidéo va devenir non seulement virale, mais aussi un IMM, car pour la plupart des gens, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à ce challenge. Et il faut le reconnaître, c'est absurde de difficulté. Là, on vous a juste fait un résumé succinct. Cette histoire va épuiser Panenkoek. Les gens adoraient ces vidéos explicatives, ils en demandaient plus. Lui n'avait pas l'énergie de continuellement grimper en qualité et en complexité, surtout avec ses études à côté, alors il va ralentir les commentaires. À ce moment, il restait encore une trentaine d'utilisations du bouton A à faire disparaître pour le 100%, et l'ABC Crew était toujours au rendez-vous. Ils vont par exemple découvrir dans la baie des pirates qu'on peut escalader les murs du bateau. C'est dû au fait que dans Mario 64, la propriété des polygones qui composent le monde dépend de leur orientation. S'ils sont à la verticale, c'est un mur, s'ils sont dirigés vers le haut, c'est un sol, et vers le bas, un plafond. Comme le bateau tangue, la propriété de ces polygones change continuellement, donc avec le bon timing, on peut grimper dessus quand ils sont en position de sol. Ou encore dans Horloge Tic Tac, où on réalise qu'en manipulant la RNG, on peut s'arranger pour faire en sorte que les pendules gagnent continuellement de la vitesse et les utiliser comme plateforme. Sauf que là, on continue de s'éloigner du problème principal. Avec ces techniques de plus en plus complexes, impossible pour un humain de réussir une run parfaite. Après, si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit avant, la run 100% avec les 120 étoiles, c'est un calvaire sans fin. Mais la NI% à 70 étoiles, elle a presque été résolue, il manque juste un petit bouton à faire disparaître. Bon, la plupart des tricks se sont quand même inhumains, mais ça reste plus raisonnable. C'est pour ça que plusieurs speedrunners vont se jeter dans l'aventure. Et le 24 septembre 2017, Bad Boots tente sa première run. C'est loin d'être parfait, il fait plusieurs erreurs, mais pour une première tentative, c'est impressionnant. Ça lui prend 5 heures et il appuie 46 fois sur le bouton A. Un mois plus tard, il recommence, convaincu de pouvoir faire mieux. Cette fois, la run est très propre, 4h45 pour 35 boutons. C'était l'homme à abattre. Alors, le temps vous paraît peut-être absurde hein, si vous êtes fan de speedrun, mais faut comprendre que dans ce genre de catégorie, ce qui compte, c'est pas le temps, mais d'abord l'objectif. Quelqu'un qui aurait fait une run de 50 heures en appuyant 34 fois sur le bouton A lui aurait volé le titre. La vitesse d'exécution n'importe que si vous égalez le précédent record. Mais Bad Boot était en avance sur son temps et manquait de compétition. Alors, c'est Panenkoek qui, une fois de plus, va revenir à la charge. En 2020, il annonce un concours. Si quelqu'un bat le record de Bad Boot, il lui donnera 50$ par bouton appuyé en moins. Ça va relancer la motivation des speedrunners et de nouveaux talents vont émerger, découvrant chaque jour de nouvelles façons de simplifier les tricks déjà connus de la communauté. Le premier à descendre le record, c'est Billy Ware qui fait une run à 29. À la fin du mois, c'est Purple Juice Box qui avait descendu le record à 26, puis 22 quelques jours plus tard. Dans l'esprit de chacun, c'était clair, on allait finir par arriver à zéro, à réussir la run. Et pour réussir cet exploit, il fallait quelqu'un à la détermination sans faille, capable de tenir le rythme et de ne pas lâcher sous la pression. Cette personne, c'était Marbleur. Mais comment? Parce que si vous avez suivi, vous savez qu'il reste un bouton dont on n'arrive pas à se débarrasser, celui dans le deuxième niveau de Bowser. Mais ça, c'était le cas jusqu'en 2018, car ce soir-là, Andrew qui s'entraînait sur le jeu décide de ne pas éteindre sa console et la laisse tourner toute la nuit. Quand il se réveille le lendemain, quelque chose de bizarre s'est produit. Les plateformes qui montent et descendent dans la lave sont beaucoup plus hautes que d'habitude, un truc qui n'avait jamais été vu jusqu'à présent. En fait,
c'est parce qu'il joue sur la console virtuelle de la Wii, et cette version de Super Mario 64 a un petit problème. Parfois, quand elle convertit des valeurs du jeu d'origine, elle les arrondit. Et c'est ce qui se passe avec ces plateformes. Elles se déplacent de quelques pixels vers le haut à chaque fois. C'est anecdotique, sauf pour les runners du challenge qui comprennent tout de suite qu'en attendant suffisamment longtemps, il y a moyen de grimper. Et peut-être de se débarrasser du fameux poteau. On fait les calculs, et le résultat tombe. Plus de 3 jours. Vous pensez que ça va arrêter qui que ce soit? Peut-être, mais pas Marble, qui s'est mis en tête d'être le tout premier à réussir le challenge. Ici, il sait très bien ce qu'il va faire. D'abord, attendre 6 heures que la plateforme grimpe un peu, puis se jeter dans la lave et retomber avec un angle qui lui permet de conserver sa vitesse accumulée en se brûlant. Ensuite, il avance sur la plateforme en donnant un coup de poing afin de rester techniquement immobile et ne pas utiliser ce boost qu'il garde pour plus tard. Puis, patienter 72 heures de plus afin d'atteindre la bonne hauteur. Et faut pas se rater, hein, sinon il doit attendre 3 jours de plus. Une fois au bon endroit, il plonge vers l'avant et grâce à la vitesse qu'il a stockée, il est propulsé dans la cage où avant on lâchait le fameux poteau. Pour que ce soit possible, il doit absolument plonger au moment où les plateformes sont au plus haut. Sauf que... Oh non, I wasn't watching the height of the platform. Oh non. Il était tellement concentré qu'il a oublié de regarder la hauteur, et la run est foutue. Oh my god. Dans ce genre de situation, il y a parfois besoin d'un miracle. Il a sauté exactement au bon moment, par pur hasard. Derrière le mur qui l'attend, c'est le Shukia Drop du dernier niveau qu'on vous a expliqué plus tôt. Faut comprendre à quel point c'est délirant de réaliser ça en run après 80 heures. Autant quand vous avez des mouvements compliqués à faire, si vous les ratez, vous pouvez recommencer. Dans les escaliers qui mènent au dernier niveau, il va rater son alignement et s'y reprendre à plusieurs fois. Mais ça n'a finalement que peu d'impact. Les tricks sont hyper précis, on est obligé d'abuser du menu pause pour s'aligner parfaitement, c'est donc acté qu'on va en rater quelques-uns. Le Shukia Drop, en revanche, non seulement vous le manipulez complètement à l'aveugle pendant 10 minutes, mais surtout, et ça je vous l'avais encore jamais dit, une fois que c'est fait, le Shukia vous attrape et vous lance dans une direction aléatoire. Si n'importe quoi tourne mal, vous êtes obligé de vous jeter dans le vide et de recommencer le niveau entièrement. Marble va prendre 42 essais avant de réussir. Imaginez les nerfs qu'il faut avoir alors que ça fait presque 4 jours que vous êtes dans la run. Pire, quelques instants plus tard, il doit réussir à manipuler un Goomba pour qu'il tombe de sa plateforme et l'utiliser pour grimper. Le premier arrive et... Bon, il reste un Goomba qui peut encore tomber. Si ça se passe pas, faut recommencer tout le niveau. Ok, ouf. Plus qu'à battre Bowser, une formalité. Ça y est, Marble l'a fait. Il est le tout premier à avoir terminé Mario 64 sans jamais appuyer une seule fois sur le bouton A. Et derrière lui, toute une communauté qui hurle de joie. Oh god. So that is just under 9 hours of gameplay plus Fire Sea. It is done. Oh man, oh it's done. On remercie encore Honkai Star Rail pour leur soutien. Partez en croisière sur la mer onirique et invoquez les personnages de vos rêves grâce à notre code promotionnel. Le lien en description.